ce micro, prie ensemble. Adoration, la vie sauve au toit de l'adoration. Vive le vie. David est en manière pour sa marche de l'éternel. La Jérusalem, le Sika, pour lui, c'est le Kiyomo. Par la émotion du mal Kiyomo, l'Ibanda est pour le David.
Nous neutralisons toutes les forces des ténèbres dans ces lieux au nom de Jésus.
Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment du début à la fin. Nous te disons, Seigneur, sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons s'asseoir par la présence du Seigneur. Je voudrais que l'applaudisse aussi pour la chorale. Alléluia. Franchement, je sais quelque part, je vais venir sur terre, Avant que nous commençons, je veux encore prendre un moment pour remercier l'Église Temple de Vainqueur. Mais nous sommes en juste temps pour manquer pour la propre salvation divine et le de la Valérie. Et l'ange de cette Église, le Bishop Patinunga, c'est le Seigneur. Mais le moins, c'est le Bishop Patinunga. Un combattant et camarade de combat de longue date maintenant. J'ai dit mon dépendant, peu pour l'autre, mais il y a un vrai guerrier. Un homme humble. Un homme pour toi, pour et un père. Je l'ai connu tout jeune, hein, mais j'ai un père déjà. Le père d'un père, un vrai papa. Nous allons aussi venir à la présence aussi des servants de Dieu. Nous sommes pas pour la coalition des grâces. Leur présence vraiment ajoute quelque chose. Nous sommes donc que l'onction est multipliée. Alléluia. Alléluia. Nous sommes donc que l'onction est multipliée. Ainsi que toute l'église que le Seigneur bénisse. Et que je veux aussi toujours remercier et honorer le Seigneur. Et la zone de Sansa de ma tonne de ministère au même. Pour la vie d'abord de mon mentor, prophète. Joshua, qui est déjà passé dans la gloire. Hein. Et c'est dans mon habitude de toujours reconnaître cette grâce qui c'est a transformé ma vie. Et aussi, bien sûr, remercier ma famille. Qui m'a permis d'être ici. M'a accompagné et je les remercie. Pour cela. Ainsi, nous allons dans le livre de Matthieu. Chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible nous dit, Jésus naquit à Bethléem en Judée. Il la Bible de Jésus à Bethléem. À l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles. Vers d'Orient, ils arrivèrent à Jérusalem et me demandaient. Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé. Ainsi que toute la population de Jérusalem. Verset 7. Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Nous allons au verset 10. Ils furent remplis d'une très grande joie en voyant l'étoile à l'endroit où se trouvait l'enfant. Verset 12.
Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès des robes. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Alléluia. Oui, hier, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Au sujet des étoiles. Le thème de notre conférence. Était ton arbre et ton étoile. On a ouvert ton arbre. Et vendredi, on a parlé aussi de l'étoile. Moi, j'avais en fait déjà suivi le contenu de ma prédication. Je voulais parler d'autre chose. Hier, le Seigneur m'a parlé de l'étoile. Encore. Je demande que le Seigneur me donne la grâce pour pouvoir relater ces choses. Comme je les avais reçues. Au nom de Jésus. Alors, nous allons dans le verset 2 qui le dit. Les rois et ses rois. Et l'autre, ça n'a qu'un coup. Après sa naissance, la naissance de Jésus, des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Alors, on va aller dans l'ordre de ce qui est écrit. Spécialistes des étoiles. Alléluia. Être spécialiste des étoiles. D'abord, qu'est-ce qu'une étoile? L'étoile, c'est quelque chose qui brille, n'est-ce pas? Et nous avons dit que Jésus-Christ est né avec une étoile. Qui est connue comme l'étoile de David. Mais que chaque être humain qui est né avec une étoile. La Bible appelle Dieu dans le livre Jacques 4, 7 qu'il est le Père des Lumières. Nous sommes ces lumières-là. L'étoile est une lumière. Des lumières, des éclats différents. C'est ce qui fait la différence entre nous et le royaume des ténèbres. Ils n'ont pas d'étoiles. Douleur, jalousie. Quand un enfant naît, il veut éteindre l'étoile. Ce qu'ils ont fait pour Jésus, ils le font pour chaque être humain qui naît. Alors, spécialiste des étoiles. Je vais aller dans l'ordre des versets. Même si ce n'est pas vraiment l'ordre de la façon dont je voulais développer ce thème. Donc, ma prière a été, quand j'ai lu ce passage, que le Seigneur fasse de moi une spécialiste des étoiles. C'est-à-dire la capacité de reconnaître les grâces dans les vies des autres personnes. Amen. Chacun d'entre nous avons besoin de devenir des spécialistes des étoiles. Pour savoir avec qui tu dois faire un partenariat, avec qui tu dois t'associer. Pour y aller pas, n'importe qui en aurait eu pour s'en aller. Et relever ses bras. Pour tout cela, Goluan. Parce que ta grandeur. Qui montait les naïos. Et la brillance de ta propre étoile. Comme quel naïa monte sur toi. Le nombre de personnes que tu élèves. Par les années où tu es, par tout quoi nous entourons. Plus tu les élèves, toi aussi tu es élevé. Mais dans le monde, dans le monde
séculier. Na mokili ya mokili. On veut se lever seul. On pense que c'est en devenant grand. Que je serai vraiment grand. Oh, tu n'as pas jamais la vie des vrais grands. Je vous observez la vie des très grands personnages de ce monde. Ceux qui ont salué mon dominé à mon des héros de ce monde, ils n'essayaient pas d'être des héros. Parce qu'ils avaient une passion, un désir de sauver les nations, de d'aider les gens. Et dans leur mission, ils étaient tellement passionnés par leur mission qu'ils sont devenus élevés sans même comprendre comment. La Bible est un livre des étoiles. On nous en parle dans Hébreux 11, les héros de la foi. Ce sont des étoiles qui sont venues et qui ont brillé sur terre. D'Abraham, Moïse, Samson, Jésus, Jean-Baptiste. Mais ils sont partis. Mais l'histoire continue. Avec toi et moi, nous pouvons être les étoiles de notre génération. Comme je dis toujours quand je parle de mon père dans la foi, le prophète Ibi Joshua, le prophète de notre génération. Parce qu'il a impacté sa génération d'une manière unique. Pour lui, à celle qui vient de salaire na la table de la vie, on a le même nom et c'est dit. Il était une classe à part. Mais tu peux être une classe à part dans ton domaine, là où Dieu t'a appelé. Faisons cette prière, dis Seigneur, fais-moi un spécialiste des étoiles. Pour discerner ceux qui doivent t'entourer. Parce que la mission que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas l'accomplir seul. Tu as besoin d'un groupe de gens autour de toi qui vont t'aider à accomplir. La force des vrais leaders, c'est la capacité de reconnaître les bonnes personnes à placer au bon endroit. Ma tête, il y a mon temps où il y a solo. Et j'ai écouté l'interview de la conférence de presse du ministre des Finances de France, Nicolas Cagadi. Et il disait, on l'a demandé comment est-ce que tu as été choisi. Il disait non, le président Félix Tshisekedi. Une chose, il sait reconnaître les grâces. Parfois, tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, le plus diplômé, le plus ceci. Mais si tu sais reconnaître, tu peux être faible. Tu peux avoir un défi, comment on appelle ça? Mais tu t'entoures des personnes qui ont les talents et les expertises. Quand tu sautes au musée, tu n'as pas de talent, tu iras très loin. Amen. Deuxième chose, l'étoile. En français, quand vous parlez d'une étoile, vous parlez seulement des étoiles qui sont dans le ciel. Mais en anglais, vous savez quoi on dit? C'est quelqu'un qui attire les foules. C'est quelqu'un qui attire la publicité. Donc, à l'individu, à la publicité.
Amen. 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 Alléluia. Les dignitaires de ce
demande, vont t'appeler, vont te chercher. Ils remplissent des larges stades, des stades, des grandes stades. Mais ma tante dit Satan, n'a pas dit qu'elle va mettre dans un démon. Et aussi, on leur donne des escortes de police. Mais ma tante dit Satan, ma brousse, ma tante pour la ramener le monde. Ce sont des voies. Une étoile est une voie. Mon zoto, et ça dit, c'est là pour toi. Une voie. Et ça dit, mon bon moto, le lasa. Qui a de l'influence. Oh, le pénal. Et ça, la tête de la c'est une voix qui compte. Nous ne pouvons pas le voir appeler sur ça. Quand un événement grave se passe dans le monde, avez-vous remarqué que les stars, les vedettes, les stars, les politiciens aussi, bien sûr, on attend qu'ils disent quelque chose. Bon, il n'a rien dit. Sauf qu'il dit que vous avez 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 dit que parce que leur voix a du poids. Bon. Mon nom pour la maman est à la kilo. Voilà. Ils n'ont plus besoin de travailler comme le commun des mortels. Parce que quand ils se déplacent, bon, ils sont qui ont le moins pour leur ils parlent pendant une heure. Alors que nous avons Je ne sais pas ici un enseignant. Prenons même un enseignant des États-Unis. Toujours, attends, autant qu'ils y sont pour la Christianité américaine. Qui est payé 25-30 dollars l'heure. Oh, parce que vous allez dans mon maman pour 30 dollars. Mais une étoile. Parce que mon zoto. Elle va parler pour une heure. On est prêt à la payer 70 dollars. Attends-vous, le maman pour ma maman, parce que vous direz, quand on est dans il y a 20 dollars. J'ai appris qu'il y en a un, je crois que Charles Breton, je pense, on lui a. Il refusait. On l'avait invité. Papel m'a dit, est-ce qu'il y a un bon à 50 000 dollars, il a refusé. Non, mais 50 000 dollars à quoi ils sont montés jusqu'à combien? Oui, mais maintenant, ils n'ont pas votre combien 500 000 dollars. Sinon, on a 500 000 dollars. Ils étaient prêts à payer un demi-million de dollars pour venir parler pendant une heure. Bazaré, monsieur, Bazaré, peut venir pour vous tailler 500 000 dollars pour aller pour le bazar à mon maman. Mais là, je suis occupé, j'ai autre chose à faire. A dit, Nazar, ma maman, ça, ça, moi, il a été. Envie de faire quoi à cet homme-là? Moi, alors, je n'ai pas envie de faire quoi. J'aimerais dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'il a compris sa rébellion. Bon, il n'y a pas dit le coup où on a je crois que ce message est vraiment adapté pour la RDC. La société, l'idée à Oyo, est allée qu'on a pour la RDC. Parce que nous avons perdu le sens de notre valeur. Bon, ton coup qui suprême dans le lendemain, il y a beaucoup où on a dit ça. Quand nous voyons un Chinois, un Indien, un Libanais, nous leur donnons de la valeur. Tant que nous sommes Chinois, Libanais, Indien, ou du pauvre, et la contenance, nous sommes personnes dans le groupe. Avant les nôtres. Pour les réalistes. C'est parce que le mental, la façon dont nous nous voyons, pour le laisser la vie, comme on a entendu, est assez basse. Et qui t'a la tête de nous marchons avec la tête courbée. Ton temps pour la maman, tout. Relâchons-nous. Au nom de Jésus. Il n'y a pas un Italien, un blanc dans ce pays qui a plus de valeur que toi au nom de Jésus. Alléluia. Tu as de la valeur. Que le fait que tu sois en babouche, dans la poussière, ne veut pas dire que tu n'es pas un prince. Tu es un prince. Alléluia. Vraiment difficile. Sauf que pour le condom, il s'agit de la mettre à la démo. Sauf que ça, mon zoto, t'es.
Donc, dans le monde, les gens veulent être une étoile pour des raisons égoïstes. Nous avons des bonnes raisons de bien être des étoiles. Donc, j'allais prendre la matinée à l'épée à Kozala. Ce n'est pas l'orgueil, ne dis pas que c'est l'orgueil, ce n'est pas l'orgueil. Et ça, le même noté. Parce que quand tu es une étoile, quand vous nous allez, mon chanteur, et que tu vas attirer une foule de gens, et puis là, tu es mieux pour faire gagner tout le monde à ma tête, ils voudront écouter ce que tu as dit. Parce que nous n'en connaissons pas, on ne veut pas le voir. Et comme les célébrités, les milliardaires américains, le corps a connu par la bataille en Congo et en Amérique. Dans le domaine du sport, par exemple. Dans le domaine de l'Italie, sport, dans la situation. Joueurs de basket, de foot, etc. Dans le basket, dans le domaine de tempo. Ils utilisent leur plateforme de célébrité. Bah, ça, les lacs, voyez, bah, les wana. Pour faire la publicité de Dieu. Bon, donc, ça, la publicité en Amérique. Pour être un exemple pour la jeunesse, que tu peux servir Dieu et réussir. Bon, donc, ça, la négligence à Pilengue, pour que vous allez l'élenguer. On y va plus pour ça, il entend. Pour montrer que Dieu est bon. Pour le connaître, ça y est, il entend pas ça, malin. Avec ses enfants. Ah, bah, non, non. Alléluia. Ensuite, je veux que nous revenions à quelque chose. Il dit ceci. Nous avons fait son étoile apparaître en Orient, nous sommes venus l'adorer. Donc, on dit, mon son, ton aïe, n'est pas le nom, il est donné pour le retour, ma mère. Les gens de ce monde sont capables de voir l'étoile des étoiles. Parce que mon Dieu, le matin, on voit qu'il y a beaucoup de gens comme les autres. Mais il nous dit aussi que Hérode fut troublé. Malheureusement, il a dit soit été. Hérode paix. Ah, soit qui trouble ton boulot. Donc, malheureusement, le monde des ténèbres aussi regarde nos étoiles. Mon Dieu, il a mon paix. Et c'est la camisole de la mission. Et le rôle d'Hérode, c'est de détruire et d'éteindre les étoiles. Hérode, c'est l'esprit qui tue les étoiles. Mon salaire, il y a Hérode, et ça dit, il y a comme ma maison, parce que. Alors, ce que Dieu m'a vraiment révélé ce matin, c'était que la RDC. Oh, le sang, ma telle ici, ma une pour la RDC, ma tombe en allélo. Et si combattu, mais tellement combattu, ce n'est pas à cause des minerais. Et ça, pour la matière, on a marqué. C'est parce que c'est un pays qui est rempli de grandes étoiles. Et ça, il faut qu'à Oyo, elle tombe dans la maison pour les ennemis. Des grandes destinées. Il y a des rois, des reines, il y a des dignitaires, il y a des personnes vraiment qui continuent. Il y a des minéraux, il y a eu des minéraux dans les êtres humains au Congo. Et ça n'a pas de mais il y a des patamayens, des bambou. On a pas de père, il y a une chita, il y a une gorge dans le Congo. Et moi aussi dit que ma fille, ses étoiles ont été longtemps opprimées. Aïe, mais si maman, la maman, si les autres ont eu, et pourtant, il y a un peu. Et que son message pour vous aujourd'hui, c'est qu'il veut vous libérer. Et ça vient éviter la première mise en rôle, mais il faut qu'il s'en occupe. De l'esprit des rôles. N'abolissez pas les rôles. Alors, je voudrais que nous fassions ce point de prière, ça va nous lever, nous allons prier. Mais il faut que nous côté de la nouvelle, pour ce monde, il n'y a pas la vie. Alors, c'est l'esprit des rôles. Au moment de l'abolissez pas les rôles. Quand vous, c'est son étoile. Quand vous, c'est l'esprit des rôles. L'esprit des rôles. Continuez de prier. Comment tout le monde de la de la qui nous combat dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Jésus. De Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous libérons les étoiles. Nous libérons toutes les étoiles.
Vous devez apprendre à protéger et préserver vos grâces. Et ainsi, il l'a amené dans une terre étrangère. Où il s'est caché. Tu as besoin parfois de te cacher. Il y a une chanson ici qui dit Bombana, je pense. Tu vas demander que le Seigneur t'aide pour que tu puisses te cacher. Pour que tu puisses te protéger ta grâce. Et à aller dans ta cachette. Pour que tu de la manifestation. Tu vois, on a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. Vous voyez que Joseph a reçu des rêves. Même le sage avait reçu un rêve. Tu vas demander que le Seigneur te donne toujours des préviens. Tu dois avoir être averti quand il y a des dangers qui te concernent. Tu dois tomber tout droit dans les pièges de l'ennemi. Nous allons demander que le Seigneur te donne des yeux et des oreilles de voir pour entendre. Prions au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alors il y a un moment où Dieu a dit, sors. J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Et j'en ai dit, tu vois, dans la caille, où il va de l'Égypte à Dima. Attends que je. J'ai à ce point de prière, je vais m'entraîner d'abord.
Il doit apprendre à pénétrer les autres étoiles, les autres grâces. Et ce que nous voyons pour la coton pour la manquer nous sous. Nous ne pouvons pas être jaloux les uns des autres. Et ce que nous faisons de la façon à sous à mon compte pour mon sous. Parce que si on te donne la grâce de l'autre. Ceux qui n'ont pas la supporter. Elle ne te convient pas. Pendant longtemps, je pensais que les grâces de l'autre étaient meilleures que la mienne. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si les grâces de l'autre sont meilleures que les miennes, je ne suis plus intimidé par les grâces des autres personnes. Vous savez, je n'ai aucune honte, au contraire,
Je prends souvent plaisir à toujours déclarer, à honorer la vie de mon Père spirituel. Si je le dois en plus moi aussi, quelque chose de bien. C'est un secret. Et il y a des fils qui n'ont pas fait ça. Et ça, ils ont bénéficié d'une grâce quelque part. Mais après, il faut dire que c'est moi-même qui suis arrivé. Et il limite sa croissance. Donc maintenant, voilà, nous allons prier pour. Si vous pouvez venir au monde là. Vous n'avez pas encore. Je vais porter le drapeau de la RDC. Nabolata, bénis la RDC. Avant qu'on prie pour ça, on va prier encore une prière pour l'église. Il y a un bon de la parole de la maison, pour la mission. Hallelujah. Je veux que nous prions encore par rapport à ce message de l'étoile. Sortons d'ici. Nous avons un bon de la parole de l'idée à la maison. Le Seigneur m'a dit qu'il a fait de moi une voix qui crie. Une fois qu'il crie dans le désert, mon nom est sauvé. Donc les gens sont fatigués. Et si t'as pas tout malé, ils sont découragés. Malé, mais ça. De crier. La copine. Et quelque chose va se passer. Et nous, comment on va ça? Alors priez pour vos étoiles encore. Priez pour les étoiles de vos familles, comme la servante de Dieu avait dit. Montez la main, 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 montez. L'Amérique, l'Europe, nous avons été.
l'Amérique, il n'y a pas un pays comme l'RDC. Et là, encore, on va voir l'RDC. Vous irez. Bon, ok, d'accord. Mais là, dans ce pays. Et là, on va voir l'RDC. Alors, nous allons prier. Donc, on va voir l'RDC. Je ne sais pas si vous avez un peu plus avant. Non, parce que je ne sais pas si nous allons prier pour. La NSP déclarait que les toits de ce pays, quelles étoiles, n'est-ce pas? Donc, on donne la paix à mon sauteur. Quelles étoiles? Mon sauteur, moi, avait prêché ça dans un stade ici. Cette étoile, ce n'est pas la parade. Et mon sauteur, moi, est allé prendre ma tête. Parce que c'est un pays d'étoiles. Et ça, c'est mon sauteur. C'est un pays d'étoiles. Mais le bon, c'est l'étoile. Priez dans notre étoile. Et je voulais reconnaître cette grâce
qui est dans notre maman aussi. Je suis arrivé et je me suis approché avec toute humilité. De m'incliner devant cette grâce. Et à partir du jour que maman a prié pour moi, je vous dis deux fois, je peux voir des choses spirituelles, mais ce jour-là, c'était tellement clair. Je peux dormir, Dieu me révèle des choses claires. Pas des attonnements. C'est la raison pour laquelle je rentre ma grâce. De nous avoir envoyé sa servante. Que Dieu nous bénisse.
Pendant que maman s'approche, je vais être plus proche.